à la fin de la visite des ah bah. Deux bateaux. Excusez-moi, là. Monsieur Dard, il faut sortir de là, l'équipage sort. Après, vous pouvez venir au bord, faire des photos, tout ce que vous allez, voulez. Allez, vas-y, d'accord, on a tout pour... Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Nina. Sebelumnya, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Hari ini Ibu Nina ada di Brest. Di sini ada pesta kapal lama. Kita lihat sama-sama ya. Laquelle c'est Belém? Ah, il est bien connu celui-là. Ah, celle de... qui arrive à Marseille il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est Belém. Ouais. Ou à Rouen ou à ouais. Saint-Malo. Ouais. Regarde ça, elle est beau. Hein. Oh la vache. Regarde ça. Ouais. Je vais sauter du poteau. Ah, c'est super. Là, c'est quoi comme bateau là? C'est Middle quoi ça s'appelle? Middleburg. Le Belém, c'est un navire école, c'est-à-dire que les jeunes, ils apprennent à naviguer avec ce bateau-là. Le bateau Belém là-bas, là ? Oui. Okay. Tu as pris des trucs ici, là ? Oui. Voilà le soleil qui se pointe un petit peu. Et là, on peut visiter l'intérieur, non ? Avec le tamarin ? Je ne sais pas. Regarde ça. Il est trop petit celui-là pour visiter, il vaut mieux visiter un grand, hein, puis c'est ouais. Tout. Hein. Peut-être que je prends des fêtes aussi. Ah bang. Qu'est-ce qu'il y a, bang? Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, hein? C'est noir de monde. Énormément. Il y a beaucoup. Banyak orang, teman-teman. Full. Dan di sini kapan bisa full ini nanti bisa juga ya pickpocket ya apapun yang bisa terjadi. Lihat full bukan? Alors on est à Brest aux fêtes maritimes là de 2024 et derrière nous il y a un trois mâts, ça s'appelle le Belém, c'est un navire école, un des navires les plus connus, les plus illustres de France, voilà. Donc il est là pour quelques jours. On va voir si on peut le visiter. Lihat teman-teman, full. Ada fête maritime di sini. Lihat di belakang kita, full. Dan saya lihat yang juga di depan kita juga banyak. Ouais, t'es pas là du monde. Vous demandez à qui? C'est un signe. Apparemment, on peut le visiter là aussi. Bah oui. Mais peut-être c'est total déjà. 15 personnes, non, on peut demander là. Allez-y. À la fin de la visite des vieux bateaux, on est un petit peu dessous, mais on n'est pas rien. C'est comme ça. Ouais. Un petit peu plus de bateaux. Il ne faut surtout pas venir le premier jour parce qu'il y a trop de monde et puis tout le monde s'en passe, donc on n'a pas le temps de voir quoi que ce soit. On est à Brest, ouais. Là, et à la fête maritime, on est dessus parce que. On est déçu parce qu'il y a beaucoup de monde, mais peu de bateaux. Ici, il y en a deux, là, côte à côte, et il y en a encore trois gros voiliers. Il y en a aussi derrière toi, Belém. Oui, le Belém, ici, c'est là qu'on aurait bien voulu visiter, mais malheureusement,
pas avant 10h demain matin. Donc c'est râpé. C'est râpé. C'est dommage. C'était le seul qui nous aurait. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita untuk lihat kapal-kapal tua, dan sangat menyesal karena yang kita tunggu-tunggu kapal-kapal tua yang biasanya banyak datang ke sini dari seluruh dunia, tapi hanya ada 3-4 kapal tua saja. Sangat menyesal, tapi kita senang juga. Oke, sampai ketemu di lain waktu dan lain tempat. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan video kita ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.